Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure. La suite et la fin de cette première saison avec Morecambe, donc D4 anglaise. On se retrouve pour les deux derniers matchs de la saison, comme on me l'a demandé. Donc contre Nottingham Forest et contre Yeovil Town. On voit qu'au classement, qu'on est toujours deuxième, le classement n'a quasiment pas bougé, qu'on va monter. On va monter. Portsmouth qui a énormément de points d'avance. On avait des résultats depuis le dernier épisode pas terrible terrible. On s'était arrêté à donc ce match contre Luton. On avait fait match nul. Ensuite on a fait une victoire 1-0. Donc ça allait. Là on a fait une défaite de Buzyn. Une défaite totalement cheatée. Hein, je tiens à le dire. La défaite du script. La défaite du script. Parce qu'on aurait dû faire au moins match nul. Le but qu'on encaisse est totalement dégueulasse. Là la même chose. Encore une fois une défaite du script. Et là, on a fait une victoire 2-0, tout à fait normal. Et là, on a fait un match nul, tout à fait normal. Voilà. Ensuite, voilà, donc on va un match contre Notts County et Yeovil Town. J'ai fait monter quelques jeunes en plus, mais pas beaucoup. Juste ce que j'avais besoin. C'est mes recruteurs qui ont fini de faire une fois le tour de la planète. Donc maintenant, ils sont. C'est les re-zéro envoyés en mission. Et cette fois-ci, j'en ai envoyé. Alors, c'est dommage, on peut pas savoir leur mission quand ils sont comme ça, quand ils ont pas encore mis en place le réseau de recrutement. Mais j'en ai envoyé chercher. Lui est allé chercher des attaquants, je sais, en Angleterre. Lui est allé chercher des défenseurs. Et lui est allé. Désolé, mon portable qui sonne. Et lui est allé chercher je ne sais plus quoi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Enfin, des attaquants, des joueurs axés sur la défense, des attaquants, attaquants parce qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on cherche. On a toujours donc un centre de formation qui du coup est un petit peu réduit. On a voilà un joueur là qui est plutôt pas mal, mais il est trop jeune encore. Il a déjà 62. Il a un bon potentiel, mais il n'est pas dispo. C'est comme Jack Benson, qui est aussi intéressant, mais qui n'est pas encore dispo. Il n'a que 15 ans. Et ensuite, voilà, on a quelques autres joueurs qui sont plutôt pas mal, mais qui n'ont pas tous l'âge, ou alors qui sont tous mauvais. Non, ils ont des potentiels intéressants, mais voilà quoi, ils sont. Thiago Couto, pourquoi pas, ça serait pas mal, mais j'ai déjà quand même pas mal de joueurs qui sont montés, comme je vous l'ai montré. Hein. Voilà, j'ai déjà tout ça, qui en plus, certains qui vont partir direct en prêt, même pas qu'ils sont à peine ils sont arrivés direct, qui vont partir en prêt. Et voilà, j'ai un cruel manque dans les joueurs que j'ai reçus. J'ai des milieux, j'ai des ailiers, j'ai pas d'attaquants, j'ai des défenseurs latéraux, mais je n'ai pas de défenseur central ni d'attaquant. Voilà. Des gardiens, j'en ai plein au foison. J'en ai encore un dans le centre de formation qui est pas mal, j'ai celui-là qui est bien. Et j'ai mon super gardien là de la mort, qui au moins je pense qu'il a autant de potentiel que Gonzalez. Même si lui, on l'a eu de manière normale, un peu plus normale. Gonzalez, c'est un joueur cheat, un joueur cheat. C'est celui qui est censé être notre joueur pépite, sur lequel notre équipe va s'axer, mais on se remarque que le gardien, il progresse mieux. C'est impressionnant, progresse mieux. D'ailleurs, du coup, on verra peut-être les premiers rapports des recruteurs dans cet épisode. Ils sont partis. On va faire ce match contre Notts County. Ils sont pas un deuxième maillot qui est. Ouais, voilà, ça ira mieux comme ça. J'ai rechangé ma compo, je suis passé à une formation comme ça. C'est difficile de trouver une formation qui correspond. Il n'y a personne qui m'a demandé de jouer, non. Non, non, non. Là, c'est bon. Oui, il est pas mal avec 159 de général. Il est meilleur que notre petit Stokes. Bon, ils sont à un petit point seulement. Mais. Je sais pas s'ils sont bien différents au niveau des stats, tiens. Je sais pas trop regarder. Ah, il est plus rapide. Il est plus rapide. Maraga est plus rapide. On a Sam qui est pas physique du tout. Ouais, j'ai pas mal de joueurs qui sont pas vraiment physiques en fait. Ouais. J'ai beaucoup de joueurs qui sont pas trop physiques. À part peut-être lui là. Qui est un peu plus physique. Il est plutôt pas mal lui. Il progresse doucement, mais c'est vrai que c'est dur de jouer avec une petite équipe. Hein. C'est vraiment. C'est une horreur. C'est une horreur de jouer avec une petite équipe. C'est une horreur. En légende, je ne vous le conseille pas pour votre santé psychologique. Je ne vous le conseille pas. C'est une horreur. Allez. On va tenter de faire des bons résultats dans ces derniers matchs. Même si maintenant, on est sûr d'être au moins deuxième. On ne va pas faire mieux.
Mais on peut pas faire pire. Donc on est toujours la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés. Ça me rappelle une autre carrière hein, en Ligue 2. On devait être aussi la meilleure défense. Et ouais, les habitués ont remarqué que cette équipe a toujours les pieds carrés depuis le début de la saison. C'est totalement incroyable. Comment l'entraîneur n'est pas devenu fou depuis tout ce temps? Mais en fait, si, il est déjà devenu fou. Le centre, la tête. Bon, ça passe. Cette tête lobée, sublime, de Wilson. Wilson, le défenseur. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Je regarde, c'est bien animé mon micro. Le centre. Et la tête lobée de Wilson. Sublime ce coup de tête, très académique, dans les règles de l'art du football moderne. C'est bien la première fois que je marque un but de merde comme ça. Enfin bon, ça passe, hein. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Ça fait 1-0 dès la 6ème. Donc on commence bien. Encore faut-il bien continuer. Allez, Gonzalez. Gonzalez. Te fais pas prendre, mon petit loulou, te fais pas prendre. Je les ai mis en mode de merde. Je les ai mis en mode de jeu en possession. Voilà. En mode voilà, en mode en stratégie possession. J'ai l'impression qu'en possession, ils sont un peu plus ils sont mieux. Ils sont mieux. Je les trouve un peu plus présents. Ça fait quelques matchs que je les fais jouer en type en stratégie de possession et je les trouve un petit peu Miller. Mieux. Alors Miller c'est vraiment une chèvre. Hein. Je vous le conseille pas parce que c'est vraiment une chèvre ce garçon. Il sait pas faire de passe, il sait pas tirer. Malheureusement j'ai pas vraiment mieux. J'ai pas vraiment mieux mais quand je pourrai, j'espère que je pourrai pouvoir récupérer des joueurs qui seront meilleurs que ça parce que c'est une horreur ce pauvre Miller là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait en pro le garçon. Tu vois. Non, c'est pas par là que je voulais faire que tu fasses ton contrôle, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut relativiser quand on est une équipe de merde. Il faut se dire, c'est pas grave. Ouais, bonne circulation du ballon. Allez. Et il se balade, il se balade. Et le tirage de maillot, monsieur l'arbitre. Oh oui, on a tous vu, on a tous vu le tirage de maillot. Le contrôle moisi, on a tous vu le contrôle moisi aussi. Et allez, on va chercher monsieur Gonzalez de l'autre côté. Le petit contrôle moisi qui va bien. Et on va chercher. Bah non, on va chercher Miller. Mais le problème, c'est que Miller, il était déjà parti. Limite, s'il n'était pas parti en jeu. Allez. Il joue bien, hein, le joueur de notre Scunti. Ils n'ont pas de problème de contrôle, de mauvais passe. Allez. On va essayer de relancer parce que là, c'est pas terrible quand même. On propose pas grand chose. Voilà, mais bon. En même temps, on peut pas proposer grand chose quand les joueurs ne sont pas capables de garder le ballon plus de 5 secondes. Puis quand même, ils pourraient le prendre, ils prennent pas. Ah oui, il a du soutien. Allez, tranquillement, gardien. Le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Ah, ça joue très collectif, c'est très beau. Oh, la bonne occasion avec ça. Non ! Corner, ça va. Ça va, j'ai cru que ça allait être une vieille sortie de but. Oh là là, la tête à bout portant. La tête à bout portant qui fait mal aux dents. Allez, est-ce qu'on va réussir à le rattraper? Ouais, c'est clair. Même moi, je me dis. Après, j'avais du mal à le rattraper à la vitesse. Hein. Ça aurait été un de mes joueurs, il se serait fait rattraper en 2-2. Il part en jeu aussi, il est hors jeu. J'ai tiré parce qu'il était hors jeu. C'est la frustration qui m'a fait tirer.
Allez. On peut aussi vous engager un petit peu plus les enfants aussi, c'est bien, ça fait plaisir. Enfin, c'est toujours pas terrible. Hein. C'est psychologiquement très très dur de jouer avec une petite équipe en légende. Faut avoir des nerfs d'acier. Franchement, j'ai même pas ce sentiment-là quand je joue avec avec le Red Star. Hein. Le Red Star, ils sont beaucoup plus forts qu'eux, ça se sent. Ça se sent, mais nettement. Non, c'est pas pour là. C'est pas du tout pour là. C'était plutôt pour Miller, même si là, je sais pas, il avait l'air de passer à Miller, sauf que Miller, il avait pas l'air d'être intéressé par le ballon. Donc forcément. Là, je sais pas trop quoi faire du ballon. Parce que je suis entouré de joueurs. De notre Scunti, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une touche. Et un petit changement pour notre Scunti qui arrive à faire des trucs comme ça de dingue. Pardon. Évidemment, il se fait siffler. La frappe est lui. Quel but de salaud. Quel but de salaud, la pression sur le gardien. Oh ouais, c'est tout à fait ça. Exactement. Oh, c'était incroyable quand même. Heureusement qu'il la met quand même. Ziachka, Ziachka. Patrick, Ziachka. J'aurais pas dû aller chercher les Polonais parce qu'ils ont des noms trop compliqués pour moi. Ça m'apprendra. Maintenant, je suis allé chercher des Français, je suis allé chercher des Anglais et je suis allé chercher des Allemands. Comme ça au moins. Je t'aurais pas trop me planté au niveau des noms. Même si les Allemands, ça risque peut-être d'être un peu compliqué des fois. Hop là. La passe, la frappe. Oh là, non, la frappe, la passe, la passe, la frappe, la passe. Non, ça passe pas. Allez. Voilà. Comment, je sais même pas comment prononcer le nom du joueur que j'ai. Comment je fais? Ah oui. Corner. Mais c'est un corner. Je contrôle le ballon, il me pousse le ballon en sortie de but. Et c'est pas une sortie de but. Enfin, c'est une sortie de but, c'est pas un corner. C'est pas moi qui ai touché le ballon, c'est pas moi qui l'ai mis là. Il a dû pousser le pied de mon joueur. Allez, bien joué. Ziachka, 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 Ziachka. Le tir était totalement raté, tu veux dire. Le tir, c'était vraiment... Heureusement que c'est pas mon attaquant, parce que sinon... Lâche le fusil. Il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu, Miller. Miller. Miller la frappe. Oh, c'est une chèvre, ce Miller. C'est une chèvre. C'est une chèvre. On peut pas. Tu peux pas. Psychologiquement, je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je vais faire entrer lui. Merde. Lui plutôt. Je sais pas. J'ai du mal avec Miller. Comment il peut rater un truc comme ça, quoi? Je demande de tirer avec précision, tout ça, tranquillement, doucement, et puis non. Il lance une patate à côté. Voilà, quelle passe de merde, mais quelle passe de merde. Mais quelle passe de merde, il aurait pu au moins lui mettre un peu dans la course, quoi. Le mec, il a pas voulu lui mettre dans la course. Mais quelle faute? M'expliquer l'arbitre, qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Moi j'ai pas vu de faute, monsieur l'arbitre. Tu es bizarre dans ta tête, tu n'es pas tout seul. Cru qu'elle allait se la mettre dans sa cage, la garçon.
Wow. Allez. J'ai voulu jouer le centre à terre au second poteau. Mais je me disais bien que ça allait être un peu chaud. Wow. Ouais. La frappe et ça passe. Lui il la rate pas. Lui il la rate pas. Ça fait 3-0. Miller il va aller à la poubelle. À la limite, un tacle du défenseur à la limite. Lui il était peut-être dans une moins bonne position, il a réussi à la mettre quoi. Allez, ça fait 3-0. On est bien dans ce match. C'est pas évident, mais on est bien dans ce match. Ça arrive pas souvent qu'on gagne avec autant de. Avec autant d'avance. Oh non, c'est quoi ce centre? Je l'ai voulu au second poteau. Je voulais pas en plein milieu de la surface. Allez, victoire 3-0. Ça fait plaisir, c'est tout à fait mérité. Je suis désolé. Ils ont tiré, ouais, ils ont tiré un petit peu. Pas grand chose. En tout cas, voilà. Les jeunes, ils arrivent à faire quelque chose un peu. Mais je vais directement virer Miller parce qu'il m'embête un peu. Il m'embête un peu ce Miller. Et psychologiquement, ça va pas. Ça va pas. J'arrive pas avec lui. Pourtant, il est censé être bon. Hein, mais... Ça ne colle pas. Allez. On fait travailler notre petit Benson, là. On espère qu'il puisse devenir un jour un titulaire. Thiago Couto, là, juste sur la droite, là. Qui progresse. Il a pris 14 points cette saison. Quand même une belle progression. 7 points pour Alves. Benson, il a pris 10 points. 24 points en contrôle, 20 points en dribble, 20 points en finition. Le mec, il a commencé à 30 de finition pour un attaquant. Jordan Sam qui a pris que 3, Charles qui a pris plusieurs, mais c'est normal, il vient d'arriver. 51 Thiago Couto, quoi. Il était vraiment mauvais au début. Allez, on va avancer vers le rapport mensuel, vers le dernier match de la saison. Qu'est-ce qu'il y a? Merci coach. Pas de problème. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'on sert? Oui, je cherchais des défenseurs, enfin des joueurs axés sur la défense. Parce que je me suis dit, psychologiquement, les Allemands, c'est bien pour faire de la défense. Lui, il a l'air pas trop mal. Entre 46 et 62 de général, ça me va, moi. Il y a plus de chances qu'il arrive dans les 50 que qu'il arrive dans les 40. En plus, il a un potentiel qui me paraît relativement correct. Est-ce qu'on peut savoir à peu près ce que c'est? Je pense que ça sera des temps de vitesse, ça sera plutôt un défenseur gauche. Plus qu'un central. Il mesure 1,70 déjà. Peut-être un central alors. Ah, 17 ans, quoi qu'il a 17 ans déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mathias Hoffman, voilà, c'est plus facile. Christian Wille. Brian Kessel. Tu vois, c'est plus facile à dire. Entre 48 et 64, ça me va bien aussi. Par contre, le potentiel est mauvais. Le potentiel est moins bon que son général potentiel, tu sais. Donc lui, il va aller à la poubelle. Entre 37 et 51, c'est quand même relativement faible. Mais lui, il sera dans l'axe. Donc il sera sûrement défenseur. Ou alors milieu défensif. Ou alors milieu central. Accélération, détente, vitesse, endurance. Lui, il sera plutôt sur le côté. Lui aussi, je pense. Mais lui m'intéresse. Lui, on va attendre un peu. Allez, ensuite, on va l'avoir. On va voir pour lui. Lui va me retrouver des attaquants, normalement. Je vais reporter sur l'attaque. Il va pas trouver des grosses flèches. C'est pas terrible, entre 45 et 61. Là, par contre, il pourrait être rapide.
Mais ça sent pas l'attaquant, ça. Ça sent plutôt le milieu offensif que l'attaquant. C'est avec pas de finition. Ça non plus. Ça non plus. Il n'a pas un seul. Il m'a trouvé un gardien. Il se fout de moi. Je lui ai demandé de chercher des attaquants. Ou alors je lui ai demandé de chercher des attaquants français. Je ne sais plus. En tout cas, son gardien ne me plaît pas. Rejeté. Lui, pourquoi pas. Je me tâte un peu. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura un général un peu élevé quand il va commencer. Enfin, potentiellement. Bah, sûrement à peu près avoir dans les 50, 49-50 peut-être. 55-61, ouais, il doit avoir dans les 52 même, un truc comme ça. S'il commence à 52, c'est déjà pas mal. Il a moins à progresser que s'il commence à 40. Allez. On va recruter le garçon là. On verra bien. Et le dernier rapport en France, Anthony Soumaoro. Ah, j'ai aussi cherché les attaquants. Et j'en trouve pas non plus. J'ai cherché tout. Je ne sais pas. Willy Dreyer. Norman Nadé. Est-ce qu'il m'a trouvé des superstars là? Pas terrible. Alors lui déjà. Annulé. Rejeté. 38-54, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Parce que du coup, on a des nouveaux jeunes qui sortent du lot. Ouais, Richard Drum, Andy Matok, MOC et défenseur gauche. Voilà, je vous l'avais dit que Drum, il serait défenseur gauche. En fonction de ses stats, je l'avais vu. Il a 52 déjà, ce qui est pas mal. Hein. Il commence avec un 52, c'est pas trop mal. Hein. Et comment il s'appelle l'autre? Andy Matok. Il est MOC. Pas des stats monstrueuses, mais pourquoi pas. En tout cas, les jeunes qui sont au centre de formation, tu es obligé de les faire monter au moment ou à un autre. Enfin, tu es obligé. Tu es pas vraiment obligé, mais. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. David qui va jouer. Et c'est Molineux qui va jouer. Ah non, c'est Bastos. Parce qu'on fait jouer les jeunes, nous. Les papilles, ils vont à la retraite, les papilles. J'ai déjà des MOC, j'ai déjà tout ce que je veux, en fait. Il manque des attaquants. Tout simplement. Dernier match de la saison, donc. Désolé, je me gratte le nez. Il gratte, c'est insupportable. Il a une tête bizarre, hein, c'est Jessica. Oui. Moi aussi, je me fais la réflexion, des fois. Ils ont des fois les têtes bizarres, et voilà, que des jeunes sur le banc. Ça, c'est sa tue, ça. Voilà, 18 ans, 17 ans, 16 ans, 17 ans, qu'est-ce qu'on met, ils sont 17. Lui peut jouer MDC, lui peut jouer MDC aussi. Je sais pas pourquoi il me le propose pas quand je fais un remplacement. MCMOC AT, il peut jouer AT, non. Parce que tu as de la finition, mon garçon. 49, c'est pas terrible. On sait on jamais. Il peut jouer que MDC, lui peut jouer AT aussi, mais tu n'as pas de finition donc ça ne sert à rien. Enfin, ça peut toujours dépanner. Allez, dernier match de cette première saison. La prochaine saison, à mon avis, ça va être une horreur. Mais voilà, quel but! Si je fais. Si je fais un truc genre, je sais pas moi, comme ça. Hop, petit contrôle de la poitrine. Hop, la frappe et le but. Voilà. Et là, ça passe, tu vois, ça passe tout seul. Mais tu fais ça en match, t'as une chance sur deux que ça passe pas. Yeovil Town, qui sera notre dernier adversaire dans ce championnat. On joue à l'extérieur pour notre dernier match de la saison. Et notre montée. La montée qui aura été difficile. Comment ça peut pas sortir, ça? Comment il fait pour que ça sorte pas, ça?
perd son ballon dans notre jeu. C'est le festival de la mauvaise passe. Édition 2016. J'ai des champions dans mon équipe. J'ai des champions de la mauvaise passe. J'en ai des doués. Allez Bastos, prouve-moi qu'un jeune aussi, sans expérience, sans rien du tout, qui a rien pour lui, il peut réussir à faire quelque chose. La frappe! Il y avait un stadier qui me plaisait pas là. Il me regardait bizarrement. Il fallait que je lui foute le ballon dans sa gueule. C'était obligé. Il n'a pas voulu donner des places à ma famille. Non, c'est quoi ça? On peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le ballon il a rebondi bizarrement là? Il a du bon autour de lui. Il décide de prendre sa chance. Allez, tranquillement gardien. Festival de la mauvaise passe. Oh, le mec il me fait une passe au-dessus quoi. Mon joueur incapable de lever la tête. Oh, comment il a pu intercepter ça aussi. On dirait que je joue contre Celtic. T'es maillot comme ça, j'ai l'impression de jouer contre Celtic. Putain, Bastos, quoi, t'abuses. Hein. Tu le bloques et puis finalement, tu le bloques pas, quoi. Wow. Non, c'était quoi cette pince? Putain, j'appuie à fond sur le bouton et le mec il fait il passe comme ça. Pour le faire au mec au second poteau. Qui était, bon, je pense qu'il était. Honnêtement, je pense qu'il était hors jeu. Mais... difficile de construire du jeu. Play beautiful. Ouais, mais bah, quand c'est possible. Avec Lionel Messi, ouais, ça doit être. Ah, oh, putain, ça fait un espace. Ouais, c'est clair. Festival de la mauvaise passe. Tu vois là, ça c'est, tu vois, c'est une séquence de passe parfaite là. Tu vois pourquoi ils me font pas ça plus souvent? Wow. C'était pas mal. Il était un peu trop sur le gardien, le centre, mon petit. Mais je vais pas t'engueuler. Wilding. La frappe et le but. Fleming, je crois que c'est Fleming qui est de ce côté-là. Ou Murphy, je me souviens jamais. Je me souviens jamais c'est lequel qui est de ce côté-là. C'est Fleming, c'est ça. C'était bien joué. Il était tout seul. Le contrôle, la frappe enchaînée. Qui vient tromper le gardien et ça fait 1-0. Bien joué, monsieur Fleming. Ah non, c'était quoi cette passe? Je suis sûr que t'aurais pu faire un truc un peu plus intelligent. Tu l'aurais voulu juste. Je suis sûr que t'aurais pu. Ah, ça va être trop long ça. Dommage. On va pas s'en plaindre. On a réussi à marquer pour l'instant 4 buts en 2 matchs. Franchement, c'est pas mal. Ça m'arrive pas souvent. On peut dire qu'ils sont particulièrement en forme. Wow! C'est normal ça. Ça, c'est tout à fait normal ça. C'est tout à fait normal. Ce gros coup de physique, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Allez, on a pu recharger les batteries encore. On a le droit, sauf que nous, on peut pas le faire. Parce que nous, on fait une faute si on fait ça. Ça fait pas un cadeau pourtant.
Ah, ils nous font tourner en bourrique sur le côté. Bien défendu ça. Wow. C'est l'arbitre ça. Et pourquoi tu m'as pas fait mon tacle? J'ai demandé un tacle. Pourquoi tu l'as pas fait? T'abuses, monsieur l'arbitre, t'abuses. Fleming qui prend le jaune. Il va pas la jouer direct, mais... Directement. Effectivement, il l'a frappé. Allez. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. La frappe, la deuxième frappe, le pénalty, le pénalty. J'ai cru que c'était moi qui avais fait faute. Tellement que le jeu est aléatoire, j'ai cru que j'avais fait faute. Ouais, c'est vrai, hein, décision un peu étrange, mais peut-être a-t-il jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier l'avertissement. Ouais, mais enfin bon... Wilson, notre tireur de pénalty, il y en a qui s'interpose, enfoiré de gardien. Enfoiré de gardien. Je sais pas, c'est la malédiction quand je les tire en bas à gauche, ça passe jamais. Note à moi-même, hein, ne plus jamais les tirer en bas à gauche. Sauf que je vais recommencer, je me connais. Allez, on met la pression, les gars. On met la pression, là. On ne se laisse pas dépasser par les événements de l'après. Non, mais non, mais... Une petite passe, garçon. Tu sais ce que c'est, une petite passe? Comment il a fait pour se retourner comme ça? Bim. On va faire des petits changements. Fleming, il va sortir. Bastos, il est déjà fatigué. Et ben, il va sortir. Et qui c'est qui va sortir? C'est Wilding qui va sortir et entrer de... Entrée de vase. Entrée de vase. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. On devrait voir de monde à monde à la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques. Allez, n'importe quoi, le mec il prend le dessus sur mon joueur, comme ça, tu sais. Allez. Bien joué, mon garçon. C'est bien. Allez, Wilding. Il est encore sur la pelouse, Wilding. Bastos, la frappe de Bastos. J'ai une idée qui me gratte. Non, mais vas-y, mais le... Oh, les mecs, ils se laissent prendre le ballon comme ça, c'est horrible. C'est horrible, les mecs, ils se laissent prendre le ballon comme ça, ça m'exaspère. Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Comment le mec, il peut dire, oh, non, non, mais vas-y, non, mais prends le ballon, garçon. Là aussi, tu vois. Comment le mec, il peut se laisser passer devant comme ça, alors qu'il fait la course, hein? Je pense pas qu'il soit beaucoup plus lent que son vis-à-vis, mais... Son vis-à-vis fait la même course, même de plus loin, il revient de plus loin, mais il est pas plus fatigué, tu sais. Ça tue, ça. Il te rattrape tout le temps. Pourquoi Gonzalez, il est pas... Pourquoi Gonzalez, il était parti comme ça, mais... On va lancer loin, parce que... Oh, ça sort. Ça sort parce que c'est très très mal donné. La frappe. Oh, c'était bien joué. Allez.
Ouais, le mec, t'as des animations des fois, c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue comment tes joueurs des fois ils donnent le ballon à leurs adversaires comme ça. Un truc de fou. Des fois c'est vraiment très très dur des fois la façon dont ils donnent le ballon aux autres. Des fois t'as l'impression qu'ils font exprès. Allez Benson qui prend le 26, Alvarez pardon qui prend le 26 aussi. Et qui prend un 56, pardon. 26, non, je serais un petit peu inquiété s'il prendrait 26. Patrick Berg. Je connais pas. En tout cas, on est promu. On est promu. Et ça, ça fait toujours plaisir. On va entraîner un petit peu nos jeunes. Je place beaucoup d'espoir en Benson. J'espère qu'il arrivera. Ça serait bien qu'il arrive à 60 quand il aura 16 ans. Ça me ferait très très plaisir pour lui. Ça me permettrait de remplacer les attaquants. En tout cas, il a déjà un bon niveau. Il a déjà un bon niveau. Attends, on en a un qui s'est placé dans tout le monde. Hein. Jakub Tritko. J'ai le droit de le sélectionner. Jakub Tritko. On peut le sélectionner. On va lui proposer un contrat. Il fait que 1m55, mais on en a rien à foutre. Et ce sera un titulaire en devenir. Jack Benson, fort physiquement, mais il fait qu'un 1m55. Lui, il est très très grand comme gardien. Il n'a pas un potentiel mauvais en plus. Thiago Couto, qui est pas mal aussi, mais il n'a pas un énorme potentiel. Mais bon, il progresse quand même assez vite. Je suis pas des joueurs très très grands. Hein. En même temps, ils n'ont que 15 ans. Benson, 56. Pedro Alvarez, 56 aussi. Donc, on verra bien. Est-ce qu'il va rejoindre Thiago Couto qui souhaite partir? Et ben voilà. Hop, on va le prendre. Comme ça, au moins, il va pas nous casser les pieds. On va lui proposer un petit contrat. Blablabla, bla bla, titulaire en devenir, blablabla, bla bla, il sera content, ça lui fera très plaisir. Contrat accepté, voilà, comme ça le jeune il souhaite plus partir, et on a renforcé l'équipe. Et on a Thiago Couto, et on a ce garçon là, qui va remplacer lui. Ils ont des noms bizarres mes ailiers. Thiago Couto, il joue milieu défensif. Il fait 52 de général. Lui, il va partir sur le feuille de match, mais je ne sais pas où, à la place de Couto. On va mettre les jeunes là-haut. Bastos, je pense que je vais le faire partir en prêt. Couto, on va sûrement le garder dans l'équipe. Lui, je crois que je l'avais déjà mis en prêt. Braga, je vais le garder. Parce qu'il est pas mal, du coup. Il a 59, c'est le plus près de Wilson. Okay. Voilà, comme ça, voilà. Ça, l'équipe est déjà un petit peu mieux. On a aucun joueur à moins de 60 sur la pelouse. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jamie Delou. Acheté cette saison Couto. Alors Couto, je pense qu'on va... on voulait le garder. Ouais. Et notre meilleur joueur, c'est quand même le gardien, quoi. Le gardien, il a de belles perspectives d'avenir. Comme Gonzalez. Donc c'est qu'il aura un bon potentiel. Hein. C'est un gardien anglais. Qui a une sale tête. C'est quand même un bon gardien. Lui, voilà, je l'ai mis en prêt. Lui aussi, à partir en prêt. Lui, il est à vendre. Sam, il a 52. Prêté sur un an. Couto, donc on a dit qu'on allait garder. Bastos, du coup, on va peut le mettre sur un prêt sur un an. Pinière, je crois qu'on va le garder.
Thompson, il se casse. Lui aussi, il se casse. Lui, il est à vendre. Grant, il a 54. Il y a beaucoup de tireurs de coups francs qui ont de bonnes précisions à coups francs, tout ça. Je me garde quand même des attaquants parce que j'en ai pas beaucoup. Sébastien Dabrowski. On va le garder, il n'est pas en forme, mais on va quand même le garder. Vaz, on va le garder aussi. Après, on a beaucoup de joueurs mauvais. Ellison, on va le vendre. Petit à petit, de toute façon, bah, le but c'est de vendre. De vendre les anciens joueurs. Thiago Couto, du coup, il va sortir. On va prendre les mecs de l'équipe jeune. Bennett, là, de toute façon, vous avez la, les flèches qui vous disent ceux qui auront le meilleur potentiel. En dessous celui-là, là, Matok, il n'aura pas un potentiel exceptionnel. C'est enfoiré. Charles, il est déjà entraîné, je crois, non? Oui. MDC, lui, il promet d'être plutôt pas trop mal. Mais Charles, on va quand même l'entraîner. C'est quoi? C'est un MOC. Donc j'aimerais rien qu'il soit en maîtriser les passes. Un truc où il peut travailler le plus de choses possible. Conservation du ballon, ça c'est plutôt pas mal. Dribble rapide. Ça lui fait bosser un peu l'endurance. Éliminer vis-à-vis, ça c'est pas mal aussi. Alves, Charles, Sam. Sam est dans l'équipe senior. Dans l'équipe jeune, on a lui. Krodzicki. Drum, donc lui c'est l'Allemand. Qui a 52 de gêne. Au niveau des gardiens, on a Doudou. Jimmy Doudou. Benson devant. On a Peseta, c'est Poleta. Prestes. Prestes. Je sais pas trop lequel faire travailler en fait. Le Doudou, il a déjà 18 ans quand même. Hein. Il a le même âge que lui alors qu'il est beaucoup moins bon. Donc je pense que Doudou, je vais le faire monter en équipe. Et après, je vais le prêter. Comme ça au moins. Il ne m'embêtera pas. Qui c'est qui aurait besoin de beaucoup travailler lui là? Lui, je pense pas qu'il va être monstrueux. Sinon, on fait travailler Benson comme un fou. Parce que qu'est-ce qu'il fait déjà? Il fait le parcours de dribble facile, non. Il y a déjà des trucs qu'il travaille. Il travaille pas la défense, c'est normal. C'est pas son travail. Je sais pas si on le travaille. Au niveau des tirs, ça, c'est des attributs qui travaillent déjà. C'est pour ça que c'est en grisé. Hein. Un coup de pied arrêté. Mais... tir de loin, président CF est fait. Panenka. Peut-être en défense, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Il est pas mal hein, quand même. Hein. 50 en tacle debout pour un attaquant, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais, mais ça va pas, il travaille déjà trop de choses. Lui. Lui, pourquoi pas, mais on a déjà beaucoup de... Allez, on va faire travailler MOC, MC. On va faire travailler Smith. Tommy Smith. Il va travailler la défense en 2 contre 1. Comme ça lui permettra de bosser un peu ses attributs. Voilà. Et Smith qui prend un point. Il passe à 49. Et Benson qui va bientôt passer à 57. Ça fait plaisir.
Voilà, mais on veut pas les conserver, donc on s'en fout. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs, donc il y en a certains qui vont peut-être progresser. 57 déjà, lui, ça. Je crois qu'il a déjà pris un point, lui. En fait, c'est tous les mois qu'ils prennent des points au centre de formation. Et bon, ça reste faible quand même. Hein. Jamie Doudou, il a encore pris des points. Jamie Doudou, mais pourtant il est pas terrible. Hein. Ça, il a en même temps il a 50 points. Donc. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit terrible? Il commence très très bas quand même, hein, les jeunes. Hein. Hop, on va faire juste le prochain entraînement. 12 points. Benson. Allez, Charles qui passe à 58. Benson bientôt à 58 aussi. C'est pas mal. Charles, ça va finir par devenir mon meilleur joueur. Parce que des joueurs à 58, j'en ai en remplaçant, j'en ai pas beaucoup hein, sur le banc. Tiens, Abaro qui a pris 58, lui a pris 59. Donc des joueurs à 58, on n'est pas des masses. Hein. 57, tiens, lui, il a progressé encore un peu. Lui, il a progressé aussi. 50. 59, lui, il n'a pas progressé. Stokes, est-ce qu'il a progressé? Non plus. Gonzalez, il a pris 65. Progresse un petit peu. Un petit peu tout ce moment de progresse. En tout cas, on se retrouvera un peu plus tard dans la saison suivante. Je ne sais pas du tout quand. Vous verrez bien. Ce sera la surprise. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ce n'est pas encore fait. À partager sur les réseaux sociaux et à aller voir les sites des partenaires, notamment Game Planet. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur FIFA 16, la carrière de centre de formation avec Morecambe. Allez, ciao.